Et aujourd'hui, on avance et on est déjà sur troisième variation. On va regarder qu'est-ce que se passe ici. C'est encore la troisième et la dernière variation dans l'esprit du bac. Tous les éléments sont là, des deux variations précédentes. Mais il y a un ajout important. C'est la descente chromatique du thème. L'élément important qui est ajouté ici, c'est la descente chromatique. Du thème, il est là. Et sinon, on voit tous les éléments des variations précédentes. On voit le mouvement du double croche, qui maintenant est pris par deux mains. Et comme ça, on a toujours presque toujours les trois voix, avec la notation très précise du crescendo, du diminuendo, crescendo, du diminuendo, qu'il a pris, bien sûr, de la variation, de la première variation. Avec la différence que dans la main gauche, les crescendo et diminuendo, ça se passe pas dans le même temps. Ça veut dire que c'est rapproché et éloigné, ça ne se passe pas simultanément, mais en alternance. Quand la main droite, elle s'éloigne, elle part, elle descend, la main gauche, il sort. Dans le tempo idéal, on ne peut pas attendre ça. C'est pourquoi je vous joue plus lentement. Je pense que si je jouerais comme ça, la variation entière, ce serait encore bac. Très intéressant que ici, la première fois, il monte jusqu'à forte. C'est la première fois depuis le thème. Toutes les trois variations, c'était piano, pianissimo, piano entier. Et ici, piano avec toutes ces petites vibrations. Ça commence de se bouger, il commence de sortir de ce petit monde du piano et du pianissimo. Il monte jusqu'à forte pour ce petit endroit-là. Et ça va nous guider vers la variation prochaine. On peut se facilement perdre entre tous ces doubles croches, entre toutes ces indications, petits, très précis, très détaillés, mais quand même, le plus important, ça reste cette base qui nous guide. Et encore un petit bout ici. Le séparer maintenant exprès avec deux mains pour que c'est bien visible et pour que vous pourrez entendre très bien ce basse là, car c'est clair maintenant si je vais jouer dans le tempo initial, c'est presque pas possible de séparer ni pour moi en joie ni pour vous dans les oreilles tous ces plans et tous ces mouvements différents.